On se retrouve pour un nouveau vlog et nous sommes chez Marnie. Dis bonjour Alex. Alex, la flopée d'enfants. C'est pas une photo, reste pas figé comme ça comme à chaque fois. Maman. Nous avons un bonhomme de neige géant, Monsieur Coccinelle, qui a mis son pull de Noël. Le mari de ma soeur, on sait pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Il nous manque quelque chose pour sortir. Ah, c'est un cadeau? Non. Ah, j'ai eu peur. Non, je vais m'acheter ça. Bah non, mais bon, on sait jamais. Et ici, nous avons le sapin de Noël. Un vrai sapin. La table pour manger. Micheline. Et les enfants. Ilan, Loulou, Nounette, coucou Nounette, Drioun, ça va mieux? Et Alexandre, le rebelle. Oh non, mais la fille pas aussi. Non, t'es bien là. Non, t'es bien. Mais t'es toute crispée à chaque fois, c'est ouf ça. Non, mais c'est parce que là, je suis figée. Ah d'accord. C'est la crème. Pourquoi t'as figé la crème? Pour figer le maquillage. Ah. Et comme ça, je reste maquillée jusqu'à demain. Tu montes la. Bon, arrête tes bêtises. Regarde la coccinelle. Dis bonjour, coccinelle. Moi, j'ai la varicelle. Et vous avez vu les cousins? Sohan, il a la varicelle. Il est content? Hein? Bien, ma maman. T'es content d'avoir la varicelle? Attends, 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 attends. T'as plein de cadeaux. Oh là là, Mickey. Oh là là, c'est de la peinture. On va faire de la peinture avec mamie. Un puzzle. Monte ça, ton puzzle. Il y en a un autre là-bas. Là-bas, il y en a encore. Là-bas, il y en a un là-bas. Un puzzle de crâneur. Ilan. Oh là là, l'encyclopédie des dinosaures. Tu t'intéresses toujours aux dinosaures? Ah oh bah, oh bah il a bien choisi le papa Noël alors. Il des dinosaures. Et puis ça c'est, tu vois, c'est un prêt, hein, c'est une encyclopédie, tu as vu? C'est quoi, c'est une télé quoi? Oh, il y a du policier. Hey, Spider-Man. Regarde, il est beau son puzzle. 100 pièces. Kisha. Oh là là. Ça, ça va plaire à Kisha, ça va le faire avec toi. C'est quoi? Les indestructibles. Oh là là, ouais, ils sont super beaux. Ouais, bah ça Kisha l'adore, elle va le faire avec lui. C'est quoi ça Kisha que t'as eu toi? C'est quoi ça Kisha? C'est cool. Drioun, t'as eu quoi bébé? C'est quoi? Anno à vos marques. Oh, ça va être dur ça, va falloir qu'on joue. Elena, Olivia, il est où Arthur? Quelqu'un a volé. Ouais, quelqu'un a volé le bébé. Hey Spider-Man, il est où mon amoureux? Encore plein de cadeaux. Monsieur Coccinelle, on a été gâtés encore une fois. Oui. Ah, cool. Merci. Des masques de princesse. Ah, du coup c'est un R. Ça c'est un cheveu, ouais. Ah mais c'est trop bien. T'as vu, c'est cool hein. Mais quand j'étais chez Action, il n'y avait pas tout. Il n'y en avait plus beaucoup déjà. La richesse d'Elena. Olivia, elle s'en fiche. Sohan, mon petit coccinelle. Merci pour aller, mes enfants. Mon amoureux qui mange. Mon papa.
Attends, je vais filmer quand même le Merry Christmas. Ah, ils sont dans les cartons derrière. Il lui restait un R à ma belle-mère. Sa pouponne. Kisha est morte. Elena elle fait la pose. La pose mannequin. La petite Olive. Et sa pouponne. Mais le Merry Christmas c'est génial. Merry Christmas. Donc on se retrouve, on est jeudi 26 décembre. Donc j'ai un peu filmé chez ma maman, même si c'était franchement anarchique avec tous les enfants. Et chez mon père en fait cette année il avait décidé de louer une salle en fait dans son village et c'était très très bien parce que c'est vrai que bah, avec les enfants on est de plus en plus nombreux et au moins ils avaient de l'espace et même nous voilà franchement on a énormément rigolé. Dans le genre de famille il y a toujours une tata vous savez un peu barrée. Et là il y avait une tata un peu barrée donc on s'est beaucoup marré. Donc hier soir on est resté après avec mon père et ma belle-mère, ma petite soeur, son conjoint, les petites poupées et puis Arthur. Voilà, profiter de la fin de la soirée tranquillement. On est rentré à la maison et on s'est effondré de fatigue. Donc franchement c'était vraiment cool, on a passé de bonnes fêtes de Noël en famille. On a été gâtés et franchement on est content, voilà. Au-delà des cadeaux et tout, on était content d'être tous réunis. Parce que c'est jamais évident avec des familles comme ça recomposées de voir tout le monde. Et encore une fois on a réussi le challenge. Mais nous on était morts et ma soeur, enfin mon autre soeur hier soir a remetté ça avec sa belle-mère. La pauvre elle était morte, nous au moins hier soir on a pu se reposer un peu. Donc là on va direction, j'arrive pas avec mes soeurs mais c'est le bordel, j'en ai tellement que c'est compliqué. Donc chez ma soeur qui nous a hébergés pendant quelques jours puisqu'il faut que je récupère mon étendoir à linge. Hier il y a eu un micmac de manteau en fait, elle est partie avec le manteau de Sohan et moi j'ai le manteau de Drioun donc on va faire un échange standard. Elle avait acheté les deux mêmes donc du coup Laurent hier en habillant son fils il s'est planté le manteau donc c'est pas très grave, j'ai fait un échange standard. Il faut qu'on récupère notre étendoir à linge, il me reste deux Snow qui sont chez elle, il reste Blanche-Neige et Vaiana donc il faut que je les récupère et surtout notre petit poisson Batman donc on va récupérer. Ensuite on va passer vite fait à Val d'Or puisqu'il faut qu'on aille chercher deux petites fleurs en fait. Kisha voulait deux plantes donc une pour offrir à la maman de Liès puisqu'on y va juste derrière et une pour le papa de Liès donc on va aller on va d'abord passer au cimetière et ensuite on ira, ma soeur me prend la tête et ensuite on ira donc chez la maman de Liès et puis voilà. Et il faut que aussi on passe chez But puisque j'ai reçu un message avant-hier comme quoi notre table basse était arrivée. Je pense pas qu'on le fera aujourd'hui, je pense qu'on ira plutôt demain tranquillement. Et en sortant de chez la maman de Liès, je pense qu'on va s'arrêter vite fait chez Lidl parce que Liès avait repéré des petits meubles de rangement. Donc on va voir si normalement ils arrivaient aujourd'hui donc on verra s'il y en a et s'il y en a bah s'ils sont cool ou pas. Donc voilà voilà, bah écoutez je crois que c'est tout. Et puis bah on se retrouvera plus tard ou à la maison ou je ne sais pas. Donc on se retrouve à la maison. Donc nous avons été à Val d'Europe. Il y avait un monde, mais un monde de malades. On s'est dit un 26 décembre on va être tranquille. Il y avait un monde de fous furieux. Donc on est passé chez ma soeur. Ça y est, Batman est de retour à la maison. J'ai récupéré des cartons de Snow. Tout ci tout ça. On est passé chez la maman de Liès. Et ensuite nous sommes passés chez Lidl parce que Liès avait repéré sur une pub des meubles. Je vais vous montrer après, c'est des bancs. Et à l'intérieur en fait c'est des coffres où vous pouvez mettre des jouets dedans. Donc on va en mettre deux dans la chambre des garçons et un qu'on va laisser en bas. Déjà ça fera des sièges d'appoint, il y a Kisha qui fait l'abruti à côté de moi. Et ensuite on se dit que dans le coffre on pourra mettre les Blu-ray, DVD, tout ce qui traîne. Mais je vais vous les montrer juste derrière. Donc tout d'abord je remercie ma cousine en fait dans son U. Elle avait vu des coffrets comme ceci de fèves Toy Story Caps. Donc du coup elle m'en a pris un et elle me l'a envoyé, je l'ai reçu ce midi. Donc je suis très contente, Sohan va être très content de les découvrir aussi puisque vous savez, Sohan est un grand fan de Toy Story. Donc voilà, un petit coffret de fête très sympa. Ensuite chez Lidl, j'ai offert ça à ma belle-mère en fait pour Noël et du coup je dis allez, je m'en prendrais bien une pour moi, pour les thés en vrac, parce que des fois j'aime bien avoir du thé en vrac. Donc c'est la fameuse théière électrique, donc je vous dirai bah, si elle est cool ou pas. Et du coup bah, j'avais bien envie d'en avoir une, même si nous on a une... Liès avait acheté à Kisha une... comment ça s'appelle, ouais, c'est pas une théière, si c'est une théière, enfin une machine à thé.
avec des capsules et du coup qu'est-ce que je cherche moi, et du coup elle est vraiment cool, mais elle peut pas prendre le thé en vrac en fait, c'est uniquement des capsules exprès pour cette machine là. Donc du coup on a pris aussi un thé en vrac toujours chez Lidl, donc on a pris le hibiscus qui est pomme, hibiscus et écorce d'orange. Il y avait plein de choix, il y avait aussi lavande, il y avait ananas, tout ça, mais j'ai préféré celui-ci. Je pense que hibiscus ça va me plaire, parce que déjà, quand Lies achète des capsules, j'aime beaucoup le thé, justement, hibiscus rose, un truc comme ça. J'ai repris un sachet de pièces et de billets en chocolat pour Sohan. Ensuite, on est passé vite fait chez Primark, parce qu'on voulait prendre une tenue pour la petite nièce de Lies. On lui avait pris un fauteuil, j'aurais pu vous montrer d'ailleurs. Un fauteuil en fait la reine des neiges pour Noël, et Lies voulait lui acheter une petite tenue en plus, donc on lui a pris une petite robe en jean avec un petit pull, avec un petit chat, des petites paillettes, des petits nœuds, tout trop mignon. Pour Swan on lui a pris un pull, donc c'est pas du tout pour cette année hein, puisque c'est du 122 cm 6-7 ans, et là actuellement il est passé au 116 Swan. Mais en fait parce qu'il était à 7€ au lieu de 14, il est en promo actuellement. Donc c'est un pull du Grinch aussi pour Noël l'année prochaine. Il est gris comme ceci. Et voilà, donc comme ça on a un premier pull, même si on sort tout juste de la période de Noël. Voilà, si on peut l'avoir à moins 50%, autant en profiter. Et j'ai aussi pris un jean. Donc j'ai pris en 116 cm. Donc c'est un jean qui est floqué ici, Toy Story 4, donc qui était à 15€. Et ici sur la jambe, voilà, vous avez des personnages Toy Story 4 avec Forky, Buzz, Woody et Rex. Et il est retroussé en bas. Je pense que j'ai peur que ce soit un peu grand au niveau de la taille, puisque Swan est très très fin. Mais bon, voilà, au pire des cas, je verrai pour rehausser avec le cordon et tout. Mais vraiment très chouette. Ensuite, on est passé vite au bureau de presse. Et j'ai pris ce bon plan magazine là. Donc c'est avec le magazine Elle. Donc c'est avec, vous avez un produit de la marque Garancia. Donc c'est un contour pour les yeux en fait, le roll-on multi-action, anti-cerne, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement et hydratant. Le truc de ouf toi. Donc c'est les larmes de fantôme qui normalement est vendu, je crois que c'est une trentaine d'euros chez Sephora, un truc comme ça. Il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué, mais je crois que c'est une trentaine d'euros hein, ce contour pour les yeux de chez Garancia. Et du coup, là, produit plus magazine, en plus c'est un full size, c'était 6,90€, donc très cool. Il n'y en avait qu'un, donc on n'en a pris qu'un, sachant qu'Yes et moi, on avait acheté des contours pour les yeux dans, pareil, dans un bon plan magazine. Moi, je suis en train de tester le mien, mais celui de Yes, je ne sais pas où il est, doit être au fin fond des cartons. Je vais vous montrer quelques cadeaux de Noël, parce que je ne suis pas sûre que tout soit réuni là. Lies avait commandé à mon papa une tondeuse en fait comme ceci de la marque Attacker. Voilà, Attacker. Il avait commandé ceci parce qu'il était tombé en panne de tondeuse et quand Lies ses cheveux poussent de trop, il est au bout de sa vie. On a eu aussi ceci, des petits gâteaux de la marque Bonne Maman. C'est des petites tartelettes au chocolat au lait et au caramel. En plus la boîte sera réutilisable. Apparemment Lies me dit qu'il se tuait à ça étant gosse. Donc du coup bah, ça lui fera un souvenir d'enfance. Je pense que c'est la télé qui me fait des réverbérations tout étranges. Ensuite Kisha et moi on a eu ceci. Donc ça a été offert par une mamie. Tu veux que je sais pas, j'ai l'impression que ça fait des reflets bizarres. Donc c'est une écharpe. Ouais non, quoi qu'avec la télé c'était peut-être mieux, ça faisait plus de luminosité. Donc c'est une petite écharpe comme ceci. Voilà, 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 voilà. Donc Kisha en a une et j'en ai une. Ensuite ma soeur m'a donné des masques qu'elle a trouvé chez Action, les fameux masques de princesse comme ceci. Donc ça c'est Blanche-Neige, c'était la bouche, Cendrillon visage, Ariel visage et Réponse les cheveux. Donc, très sympa. Ensuite, excuse-moi je m'étouffe au passage. Ensuite dans ce sac là, donc ça c'est moi, j'ai eu un petit beurre corporel douceur de chez The Body Shop, Berry bonbon, donc ça sent effectivement le bonbon, ça sent vraiment très très bon. Donc je verrai pendant les soldes si je trouve des produits de cette gamme là parce qu'ils sont vraiment très très bons. Donc un gel douche, un petit beurre corporel, un masque trop mignon pour tenir les cheveux et une bougie comme ceci qui sent très très bon la, ouais, la pêche. Elles sont super bon, donc de chez Ikea. Donc un petit pochette surprise très sympa. Ensuite, ma mère nous a aussi donné deux Dr Pepper, donc c'est encore plus sucré que le Coca-Cola, donc elle a acheté ça aux États-Unis et on buvait ça quand on était gamine aux États-Unis, du coup on nous en a donné. Ensuite, elle a eu deux Rubik's Cube, donc il a eu un gros et un petit, il a déjà embarqué le petit, je sais pas ce qu'il en a fait, et je pense qu'il est en train de se prendre la tête avec le Rubik's Cube.
Swan a eu un puzzle comme ceci de la part de mes parents, donc Disney, donc c'est un 100 pièces, donc très bien. Ensuite, il a eu aussi un livre de coloriage comme ceci, Batman, donc autant vous dire qu'il est très content. Voilà, avec plein de coloriage à faire. Avec une boîte de feutre pour faire les coloriages. Il a eu aussi un bloc comme ceci de stickers et de coloriage sur Toy Story. Donc pareil, forcément, il est très content. Donc il va pouvoir nous faire des stickers partout. Ilan a eu un magnifique livre comme ceci. C'est l'encyclopédie donc sur les dinosaures. Donc il n'est pas encore ouvert. Je vais le laisser l'ouvrir parce que en fait, il l'a eu chez mon père. Ensuite, j'ai dû les rendre. Donc il n'a pas pu le feuilleter. Donc je vais le laisser le découvrir. Mais vraiment, il est super beau. Le livre, c'est un très très joli cadeau. Ensuite, Swan a eu aussi un puzzle Les Indestructibles, donc ça je pense qu'il fera à Kisha parce que Kisha adore le dessin animé Les Indestructibles. Ensuite, oups là, les sucres d'orge qui sont là mal, donc on a eu des petites cannes à sucre que je vais mettre dans le sapin avant qu'on le retire. J'ai eu aussi, ah bah c'est échappé, une petite bombe de bain comme ceci toujours de chez The Body Shop et un savon aussi comme ceci à la fraise. Donc ça sent trop trop bon. Franchement, cette gamme là bonbon, je sais pas si vous l'avez senti, mais ça sent trop bon quoi. Ça pendant les soldes, je pense que je vais aller chez The Body Shop rien que pour ça. Ensuite, dans ce sachet là, ah ça c'était des petits trucs pour l'IS. Donc il a eu un porte-clés comme ceci qui fait de la lumière, donc le logo comme ceci, Batman. Donc il va mettre ça sur ses clés, surtout qu'en ce moment on n'a pas de lumière devant la porte, donc c'est un peu chiant. Du coup, ce sera plus facile pour ouvrir. Et il a eu aussi une tête comme ceci de Batman. Et à l'intérieur, il y a une sucette. Tu veux ta sucette? Qu'est-ce que tu mimes? Ah, ton truc lumineux. Por favor, merci. Je t'en prie. De nada. Donc ça, c'est ok pour ça. Là, ça c'est... Pourquoi tu m'as mis les cadeaux du Han à mes pieds? Hein? Pourquoi tu m'as ramené les cadeaux du Han? Bah je peux pas les montrer parce qu'en fait Yann à ma famille il avait demandé notamment des enveloppes. Donc il a eu des enveloppes mais avec des sous on s'en fout. Enfin hein, pas qu'on s'en fout, c'est pas cool pour lui. Et il a un cadeau mais il est pas ouvert donc je vais quand même pas lui ouvrir. Mais il avait demandé des enveloppes donc du coup bah il a eu des sous. Ensuite Ilan a eu de la part de ma maman ce machin pour faire naître des bestioles, des triops. Donc avant de commencer à le faire naître les triops, je vais bien lire la notice parce qu'apparemment j'ai lu sur internet que ça fonctionnait. Par contre les bêtes vivent pas longtemps donc j'espère que ça va pas être un drame psychologique pour mes enfants. Et en plus il faut une lampe qui chauffe donc je vais suivre un petit peu sur internet ce qu'il se dit pour qu'il ait au moins les bêtes qui naissent. Ensuite il a eu un... Il est en train de me faire le truc Batman. Il a reçu un... Ilan a eu une boîte comme ceci. Il est chiant, il m'a coupé la lumière. Star Wars. Swan a aussi eu un puzzle comme ceci, 50 pièces. Donc ça, 50 pièces, il peut le faire tout seul, sans problème. Sans, il a besoin de notre aide. Ensuite, on a eu aussi un cadeau très sympa. Je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer, mais je vous ai mis une photo sur Instagram. Au pire des cas, je le filmerai demain en pleine lumière. C'est Micheline qui nous l'a offert. En fait, c'est un truc que vous plantez dans l'herbe, en fait, et vous avez un truc pour, vous savez, la pluie. Le sens nord, sud, ouest, est et un thermomètre, donc cadeau original et qui va beaucoup plaire à Ilan parce qu'il adore tout ce qui est axé sur la nature, donc il sera très content. Et Micheline nous a offert aussi un panier comme ceci. J'ai déjà une coupelle qui s'est fait la malle, donc un panier comme ceci avec 4 petits ramequins en porcelaine, donc pour faire l'apéritif. Je me dis que pour la pendaison de crémaillère ce sera bien utile. Ça va tomber ça. Et ensuite j'ai eu aussi ceci. Je crois que je vous ai tout montré mais je suis pas certaine de mon coup là. J'ai eu ceci, donc ça c'est ma belle-mère qui me l'a commandé. Donc c'est une cloche comme ceci avec une rose un peu, vous savez, ambiance la belle la bête avec des pétales qui tombent. Et elle a mis les piles et c'est lumineux comme ceci. Donc c'est très très sympa, elle sait à quel point j'aime la belle la bête. Donc une attention vraiment trop mignonne. Chef, tu peux me passer les deux sacs qui sont là, s'il te plaît, sur les trois meufs, s'il te plaît. Donc je rangerai ça après. Ensuite, l'IS a aussi eu... Hop. Ouh, Star Wars qui se fait la malle. Un jeu de PS4, donc c'est FIFA 2020. FIFA 20. Il a eu... Se fait la malle. Je suis en train de mettre un bordel.
Un t-shirt comme ceci de chez je sais pas qui, Hollister. Voilà, Hollister. C'est écrit dessus. Les triops sont en train de se barrer. Et il a eu aussi un jean de chez Zara, donc un jean noir, comme ça il pourra le mettre même pour aller au taf. Donc très bien, un jean noir, donc faut qu'il essaye tout ça. Et moi j'ai eu aussi, et ensuite donc j'ai retrouvé le truc, donc de chez Andy j'ai eu une tête de Stitch comme ceci, trop mignonne, et en fait c'est un ranch pyjama. Et dans la tête de Stitch nous avons un pyjama, donc je vais vous montrer ça, donc avec un petit haut comme ceci, avec Lilo et Stitch. Bon, le t-shirt, vous n'êtes même pas obligé de le porter en mode pyjama, hein. Franchement, même pour l'été, très très bien. Et un bas de pyjama, donc ça c'est bien, c'est en matière tissu, donc c'est très bien, parce que les pilou-pilou avec l'IS, c'est impossible à porter. Donc voilà, donc très sympa. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc comme vous voyez, on a été très gâtés. Je pense que j'ai rien oublié. Je pense, je suis pas certaine du truc. Kisha, elle a déjà embarqué ses trucs parce que je les avais mis de côté, mais je les vois plus, donc elle les a embarqués. Elle a eu aussi des produits The Body Shop, des enveloppes, puisqu'elle aussi avait demandé des enveloppes, notamment à mon père, à ma belle-mère et tout. Des enveloppes, et écoutez, je crois que j'ai rien oublié. Franchement, je suis pas certaine à 100%. Mais bon, du coup je vais vous montrer les meubles, puisque la Lies, je pense qu'elle est en train de faire la vaisselle, alors que nous avons un lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu fais? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Je mets la vaisselle dans la vaisselle. Tu la laves là, avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Je suis en train de mettre du sel, tu me connais pas, je suis pas ton mec. Tu me fatigues. Bon bref, je vais ranger donc tout le bordel que je viens de mettre, et je vais vous montrer du coup les meubles avant montage, puisque Lies va essayer d'en monter deux ce soir. Les deux notamment qui vont à la chambre des garçons, comme ça je vais pouvoir ranger notamment tous les cadeaux qu'ils ont eu, pouvoir les monter, parce qu'il y en a sur la table de la salle à manger, il y en a un petit peu partout, donc pour bien leur installer, qu'ils puissent en profiter quand ils reviendront. Donc normalement ils arrivent samedi matin, mais on les rendra que lundi soir, puisqu'on reprend le boulot malheureusement mardi. Faut bien y retourner à un moment donné, même si franchement on n'a pas du tout envie. Je vous le dis clairement, on n'a pas du tout envie. Quand faut y aller, faut y aller. Donc je vais vous montrer les meubles, et je pense que si Lies a le temps d'en monter au moins un soir, je clôturerai en vous montrant le meuble monté pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Et bah ça tombe bien que je vous montre ça maintenant, puisque de toute façon je n'ai plus de batterie. Donc du coup, ouf, c'est lourd. Donc c'est ces meubles là en fait qu'on a pris. Donc comme ça, pendant que Lies les monte, je vais mettre mon appareil photo en charge. Et donc ils sont blancs, et donc vous levez cette partie là, il y a à peu près, il marque 50 litres de rangement. Donc il a l'air vraiment pas mal, et il peut supporter jusqu'à 100 kg au niveau de l'assise. Donc on en a pris 3 au total, et chez Lidl ils sont à 40 € pièce. Franchement c'est vraiment pas cher pour ce type de meuble, donc après avoir monté, et ça vous montre qu'on peut ranger des choses à l'intérieur. Donc voilà, il y a un meuble qui est déjà monté, donc franchement ça rend super bien. Ce qui va nous permettre de vider ces caisses là et le carton qui reste dans leur chambre. Avec leur lit, et voilà, ils sont vraiment super bien installés. Hein. Ils ont fait de la déco et tout, du bric-à-brac. Et du coup, et puis là, ils ont l'escalier aussi. Pff, ils sont vraiment installés. Et du coup, Lies va monter le deuxième, donc je verrai s'il a le temps de le faire ce soir. Et du coup, je vais mettre des jouets qui sont là-dedans, et ceux qui sont trop gros, je les mettrai directement dans leur armoire. Mais franchement, il rend vraiment très très bien. Donc voilà, donc j'ai rempli un premier des meubles blancs. Pour l'instant, j'ai mis toutes leurs peluches dessus. Quand le deuxième arrivera, je mettrai, j'espacerai. Après, je me prends pas la tête à trier ce qu'il y a dedans, parce que de toute façon, ils remettent le bordel, ils rangent comme ils veulent. Je m'en fous, dès l'instant où c'est rangé, franchement, on se prend pas la tête avec eux. Et dans le bas de leur armoire, en fait, je leur ai laissé leur caisse en plastique, voilà, où il y a plein de Lego, de machin, de bordel. Mais au moins, ils y ont accès facilement. C'est dans des boîtes, comme ça, ils ont plus qu'à remettre dans les boîtes. Et on se prend pas la tête avec eux pour le rangement. Ça m'a permis de récupérer une boîte de 100 litres. Comme ça, je vais pouvoir mettre les vêtements été dedans. Donc, ils sont vraiment, vraiment top, ces petits meubles. Donc, quand Lies aura fini de monter le deuxième, on le mettra juste à côté. Et puis, je finirai de remplir, je pense, demain tranquillement. Parce que mine de rien, il est déjà plus de 22 h 30. Et puis, on montera le dernier qu'on laissera, lui, dans la salle à manger. Comme je vous disais, je pense que dedans, on mettra Blu-ray... jeu de PS4 et compagnie. Donc voilà, donc j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !